Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Last Train où on se retrouve pour continuer notre petite aventure. Et comme vous l'avez noté dans les commentaires, ça n'allait pas forcément être simple. Hein. On a un char qui nous attend ici et qui mine de rien est en pleine forme alors que le nôtre commence tranquillement à être endommagé. On sait que ça sert à rien d'aller attaquer avec les humains ou l'automitrailleuse, on va se faire dépouiller. Par contre ce qu'on peut faire... Et ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est qu'on va sortir notre grenadier. Il est là. Tu vas sortir toi. On va te remplacer probablement par un fusilier, celui qui est blessé, tant qu'à faire. Voilà, comme ça. On va pouvoir exploiter potentiellement les mines terrestres pour essayer de se faire ce char. Cela dit. Bah, tu vas où ? Calme-toi. Pas d'assaut, tout va bien. Le mec il rentre dans le char, il lance les moteurs pour charger quoi. Cela dit, oui j'allais dire, ici le pont est quand même très très bien protégé. Avec zéro moyen de se placer, hein. Éventuellement on pourrait se mettre sur la berge là. Mais on a toutes les chances d'attirer le char pour le coup. Donc je pense que, une fois n'est pas coutume, on va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres possibilités que ce pont. Hyper vraiment frontal et bien chargé, on connaît le jeu, hein, on sait que il y a quand même un petit peu de possibilités de contourner en général. Donc on va, hop là, on va tenter de voir si on peut pas contourner un peu. Donc on avait exploré cette zone là qui était assez safe, à mon avis le long de la route là ça va être un peu moins... alors on va les envoyer par là, voilà. On sait aussi qu'il y a du monde encore là-bas, hein. On n'a pas été explorer jusqu'ici, chercher le loot et compagnie. Il passe par là, lui. Non, il fait le tour par ici. Là, il y a des trucs à récupérer. Surtout du métal, des munitions. Mais je pense pas que le jeu envoie la chandelle. On verra si, en arrivant de l'autre côté, si on arrive à traverser ailleurs et qu'on peut arriver sur un meilleur angle. Allez, on va progresser par là et on va essayer de voir un peu ce qui nous attendrait sur la rive. Parce que là, c'est du noir, hein, on sait pas du tout ce qu'il y a. On voit que ça va par là-bas, donc peut-être que la rivière fait vraiment un truc comme ça et que c'est vraiment le petit fortin ici. Alors, on s'est pas encore assez approché, mais je pense que là, c'était clean. Ouais, c'était clean. On va progresser. Alors tout le monde se met en discrétion histoire de pas se faire surprendre parce que lui il sort du tank donc forcément il est un peu moins discret. Ici on serait caché. Il nous manque un mec là. Toi t'es là. Et ah oui, ok, toi t'es... Très lent. Ok, très bien, donc on va profiter plutôt de lui qui est déjà arrivé pour voir un peu. Ici, un croisement. Clean. Et par là-bas, il y a des gens, deux mecs, tout à fait gérables. Et on voit que la rivière continue de... Ah, et là, il y a un pont à réparer, excellent. Ça, c'est excellent. Ça, c'est vraiment le genre de truc qu'on cherche, par contre. Donc on va progresser, je pense par là, et du coup avec vous, on va pouvoir, je pense, passer de la voiture, peut-être pas le tank là. Se placer par là. Normalement on avait déjà fouillé par là, il y avait le canon. Alors le canon je pense pas qu'il soit transportable, enfin, on n'a jamais essayé mais... Même s'il a des roues, les mitrailleuses par exemple ont des roues et ne sont pas transportables. Lui va jusqu'où lui? Ah oui, il est là le canon, ok. Ah, il a des roues, mais je suis pas convaincu qu'il soit transportable, donc je suis pas sûr qu'on puisse l'emmener pour se faire le char. Ok, on n'est pas si loin, faut qu'on fasse gaffe. Nous l'objectif ça va être de prendre par là. Attends, j'ai regardé le virage là et ma vision a dû s'arrêter genre juste ici là. On va voir, juste attendre 2 secondes ce que fait ce petit péon là, s'il s'arrête là ou s'il repart. Ok, il s'arrête, parfait. Donc, normalement on devrait pouvoir éviter les emmerdes ici, assez aisément.
On va aller se foutre de l'autre côté, là, dans la pampa, et on va surveiller un peu plus ce croisement, ce qu'il pourrait y avoir. Ça, c'est un civil, c'est bon. Faut aussi, si on veut... prendre ce pont... Alors là, il y a potentiellement des choses... Il faut qu'on trouve de quoi réparer. Alors, en général, c'est pas très loin. Mais il en faut deux, en plus, visiblement. Donc là, il y a du soldat. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai demandé de mettre tes jumelles. T'as besoin d'avancer là? Ok, on se calme. J'ai pas vu que t'as... Pourquoi je vois pas sa jauge rouge là? Bon, c'est pas très grave. On va déjà progresser pour s'occuper des deux péons. Visiblement le reste est plutôt clean. Quoi qu'ils font demi-tour là, ils s'arrêtent. Il y a du monde là. Ils vont nous voir, je pense. Ils vont nous voir. Ok, ça c'est fait. Est-ce que ça a excité ceux qui étaient là? Non, ça va. La maison nous a protégés. Du coup, regardons un peu plus. Donc ici c'était clean. Toi. Ah, ça y est, on voit le cercle. Ici, il y a du monde. Deux personnes. Pas de truc de réparation. Si on se met genre vraiment juste à la limite, là. Ah, là, il y a un kit de réparation. Excellent. Donc, ils sont pas trop loin, comme prévu. C'est plutôt cool. Et on peut avancer jusque-là. Ah, on a vu un mec ici. Ok, il vient dans la zone. J'ai cru qu'il courait, non, il court pas. On va donner une vision ici à nos véhicules. Ouf, les autres nous ont même pas vu, quoi. La tristesse pour eux. on va progresser. Alors, attendez, là, il y a un loot. Est-ce qu'il nous voit, lui? Il va nous voir, je pense. Ah oui, t'as visé un peu l'ancienne position là. Ok, ça c'est fait. Donc on va progresser jusque dans cette petite sympathique endroit. On enverra quelqu'un chercher le métal dès qu'on sera à peu près sûr qu'il n'y ait pas de trucs qui traînent. Ouais, quoique, on va y aller. Ça y est, vous êtes en position. Regardons un peu ce qu'il y a par là. Que dalle. Ici, que dalle. Ici, que dalle. Ok, on a un kit de réparation. Est-ce qu'il va nous en falloir plusieurs? C'est la question. Regardez un peu aussi d'ailleurs ce qu'il y a de l'autre côté de la route. Ça peut être une bonne idée, de l'autre côté du pont. Rien. Rien non plus. Des grenades. Merde, on a vu quelqu'un dans notre dos là. Qu'est-ce que t'as vu toi? D'où il sort le mec là? Écoutez-le. Je sais pas ce qu'il a. Là d'où il est, il a rien pu voir. Donc s'il vient, c'est qu'il y a autre chose qui l'a interpellé. Alors, est-ce que ici on a des gens qui viennent du pont? Non, bizarre. Il a peut-être été alerté de l'autre côté du pont et il a fait tout le tour là. Par l'autre pont. Il était peut-être là quand on a tué le premier, j'ai pas fait gaffe. Ça sous-entendrait qu'il y a quand même potentiellement des gardes quelque part ou qu'ils sont tous en train de faire le tour pour nous tomber dessus. Au choix. Pour l'instant, dans notre vision, il n'y a pas grand chose. Donc on va envoyer toi chercher. On est d'accord que là, il n'y avait rien d'intéressant. On va voir si un seul kit, ça suffit bah, pour la double réparation. Là. Vas-y, essayez de réparer avec ça. Et si on faut un deuxième, bah, on ira à la recherche du deuxième.
Ce qui est cool, c'est qu'ils apparaissent en tant que loot sur la map, donc on les rate pas du coup. Ok, parfait. Un seul, ça suffit. Alors, on va envoyer vous en éclaireur se planquer dans la pampa. Là-bas, c'était des grenades, c'est parfait, ça va nous faire un petit plein. Et donc, l'endroit qu'on veut joindre, il est ici. Donc, niveau chemin, on a une petite route là qui nous permettrait d'y aller. C'est excellent. En ce jeu, faut souvent chercher les solutions alternatives. Hein. Même là, avec notre force de frappe, on n'est pas invincible. Vas-y, va chercher tes grenades, toi, vite fait. Excellent. J'ai bien envie d'envoyer un petit peu de vision par là, parce qu'il y a l'air d'avoir un petit chemin pour nos piétons. Qui serait peut-être un peu plus safe. Si on regarde par là, il n'y a pas un petit peu de loot vite fait là. Là, il y a un mec. Ok, très bien. Ok, ici on a une tour avec du soldat. Et par là-bas. Un nouveau. Okay. Excellent. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a ici? Quasiment. Ok. Un truc de soins, des munitions de fusil. Ils ont pas l'air d'être trop défensifs. Il y a un grenadier, attention, qu'il faudra éliminer rapidement. Mais en débarquant par là, du coup, alors on arriverait par où, nous? Par ici. On arriverait par ici. On pourrait débarquer par là. Ouais, il y a moyen de les prendre à peu près par surprise et de leur faire mal. Ah, ici il y a du tissu et du métal, parfait. On finit notre petit tour. Là il y a des petites caisses, mais c'est rien. Là il y a du soldat ici, donc attention. Ils ont pas l'air de venir jusqu'à nous parce qu'ils sont en train d'aller dans l'autre sens. Ok, donc du coup on va envoyer nos péons par ici, plutôt par là. Cambriolage. Ah, là on a un mec qui a la capacité cambriolage, peut faire quelque chose, excellent. Est-ce qu'on a quelqu'un qui a cette capacité? Je sais plus du tout. Je pense que si nous l'a mis, il y a des chances. Ah, il y a un garde dans le dos là. Regardez où est-ce qu'ils vont. Tac, tac. Allez, la fée du logis, ils viennent vers nous. Ils viennent vers nous. On va se placer en cas de besoin. Tac. On voit pas sa fée du logis, donc on verrait pas le cambriolage si on avait le cambriolage. Regardons les profils. Chasseur. Donc ça, c'est la fée du logis. Ah, lui, il a cambriolage. Le grenadier, il a cambriolage. Excellent. En plus, il est même pas dans un véhicule pour s'en occuper. 150 balles dans un puits. Ah, écoutez, toujours ça de prix. On voit pas, là, par contre, ici. C'est pas bon. On veut voir. Ah, ils vont nous tomber dessus. Prenons l'initiative. Voilà, excellent. Tac. Jetons un œil. Ça les a pas énervés par là? Non, ok, très bien. Donc, on va aller jusque dans cette petite pente par là. Et vous, vous pouvez vous faufiler par là ou pas? Oui, ça passe, excellent. Excellent, excellent. Donc on va pouvoir pousser jusque là avec nos péons, je pense. Allez-y les gars. Une mission de fusil là-bas, parfait. Toi, va chercher ça. On a vu quelqu'un, où ça? Je le vois pas sur la map. Ok,
Il a dû juste passer fugitivement dans un petit angle. Là, ils nous voient pas, ils sont beaucoup trop loin. On va aller chercher le loot avant de déclencher les enfers. C'est... On est loin. Il y a un garde là. Il y a un garde, on va vouloir garder un œil dessus. Ouais, il va nous bloquer là. Ok, il faut qu'on se replie par ici. On n'est pas prêt à être détecté tout de suite là. Ok, il s'est arrêté. Il y a du carburant là-bas. Faut carrément qu'on aille chercher ça, du carburant. Vas-y. Je vais faire demi-tour, fonce. On va te donner un peu de vision quand même, histoire de pas être trop abusé. Tu vas garder un œil sur le garde qui est là. Ah, il y en a un autre là. Putain, il y en a un qui regarde le carburant. Fuck. Arrête-toi. On va amener l'autre avec un caillou là. Forcément, c'est le plus lent que j'ai pris. Tu peux courir là, il n'y a pas de raison de te cacher. Vas-y, cours jusque là. Toi, tu peux enlever tes jumelles ici. On a une vision directe. Vas-y, fonce chercher ça. Ah merde, il l'a pas pris, putain. Hop là. On se remet là. Bon. On a pas pu faire demi-tour. Tant qu'à faire, il n'y a pas d'autre loot. Là, il y a la berge ici, donc attention à ce qu'on fait. Non. Rebalance un petit caillou. Juste pour que l'autre puisse traverser, là. Ok. Excellent. On attend que lui soit barré. Parfait. Et on est reparti. Bien joué les gars, bien joué. Beau contournement. Vous allez vous planquer là. Et il va être temps d'aller un peu faire la fête. Avancez jusqu'ici, on va vous mettre de la vision. Voilà, on veut voir par là. On veut voir par là. On attend que le tank arrive. Hein. On va l'envoyer. On peut pas trop passer à deux, mais je voudrais que l'automitrailleuse s'occupe de ça. Voilà, le fusilier c'est fait. Le grenadier, pardon. Ok. On a pris un peu de dégâts, mais ça reste les véhicules, c'est pas très grave. Venir se mettre plutôt ici tant qu'à faire. Il y a une sortie là-bas, c'est parfait. Il y a du loot en plus, encore mieux. Jetons un œil, hein, comme d'hab. On essaie de fouiller le plus possible. Ici, j'avais déjà un peu regardé. Allons un peu plus loin. Ah, c'est vraiment le bord de map. Donc on a encore un petit peu de tissu ici à récupérer. En profiter. Ici, ça va péter là. À quoi que, ils auraient fait demi-tour. Donne-moi une vision. Toi, t'occupes-toi de celui-là. Toi, occupe-toi de celui-là. Ça y est.
Ah, il y a une mitrailleuse ici. On a bien fait de les surprendre rapidement et de pas leur laisser trop le temps de faire de la merde. Allez, allez chercher ça, va chercher ça. Toi, pas te soigner parce qu'on t'avait soigné à la main. Est-ce qu'on peut faufiler la voiture là-bas? Et genre, utiliser le tank pour aller péter... pour aller péter les machins, là. On va se mettre dans la pampa, au cas où. On va continuer notre petite exploration de ce côté-là. Là, il y a une magnifique cathédrale. Là. Cathédrale d'Omsk, je ne la connais pas. Ok, ça a l'air d'être plutôt clean. Notre fusilier qui n'est pas dans un véhicule. Viens là. Alors pareil, hein, on ramasse le loot avant de lancer la... la grosse teuteuf. Des fois qu'il y a une contre-attaque ou un truc du style. Ok, parfait. On a récupéré 250 tissus quand même, ça fait plaisir. Mettez-vous en couverture, vous. Même si c'est léger, c'est toujours ça. On va commencer à... non, tire. Défonce-moi ces trucs-là. Et on se rend dans la zone de sortie. Et bah, go. Pas trop mal. Alors, on pourrait aller fouiller par là-bas, mais on sait qu'il y a quand même beaucoup de monde. La mission était quand même assez longue. Et si c'est pour retomber sur des tanks et compagnie, je pense pas que ça vaille bien le coup. On a plutôt bien looté, là. Allez, petit char, viens. Je pense pas qu'on va partir avec de mémoire, on les laisse derrière nous. 9 sur 9, c'est parti. Une mission rondement menée, ma foi. Alors lui, il a encore pris un peu cher, mais bon, c'est pas grave. L'ivrogne, on va lui filer une médaille, il s'est très bien comporté. En tant que pilote de l'automitrailleuse. Et toi, t'as bien mérité aussi. Allez, hop. Les petits niveaux. Donc on avait que les objectifs principaux. Soit il n'y en avait pas, soit on a raté des quêtes secondaires. On a tiré 34 balles de fusil seulement. Et c'est plutôt rentable, hein. Et une trousse de secours contre 4 ramassés. Ouais, c'est carrément rentable. Les tirs et les explosions cessent. Alors que vous surveillez vos soldats, vous remarquez que quelque chose cloche. Des gens commencent à sortir dans la rue, l'air désorienté. Mais rapidement, les rumeurs sur la défaite des Rouges se répandent. Votre escouade ne tardera pas à arriver. Ils sont suivis par une foule qui ne cesse de grandir. Leur hostilité est palpable. Vos soldats pointent rapidement leurs fusils sur la foule. Les insultes commencent à pleuvoir. Tout d'un coup, ils se mettent à lancer des pierres. Toutefois, personne n'ose attaquer directement vos soldats, pour l'instant. Vos soldats regagnent enfin le train, le quai est bondé. Les civils gardent leur distance tandis que vos soldats les tiennent en joue. Ouais, ouais, hein, le fait d'y aller comme un gros porc. Hein. Les gens hurlent de colère et jettent des pierres sur le train. Suivis par cette foule de civils en colère, vos soldats sont nerveux. Ils ne sont pas prêts à tirer sur une foule désarmée. On part immédiatement, pas la peine de lancer des hostilités. La foule s'enhardit rapidement, le temps semble s'éterniser alors que le train quitte enfin la guerre, non sans mal. Quelques personnes font mine de vouloir attaquer, mais un tir bien placé à leurs pieds permet de les disperser. Notre temps s'éloigne, mais vos soldats sont ébranlés par la haine des habitants. Tout particulièrement car ils viennent de gagner la bataille contre les Rouges et de sauver la ville. Ils ne fêteront pas cette victoire. Ce que vous avez fait, bah, ce qu'on a fait, c'est attaquer une ville à coups de tank et d'automitrailleuse. Forcément, ça joue un peu. Mais bon, on s'en est sorti, c'est l'objectif. Hein. La neutralité, ça fait un moment qu'on s'assoit dessus. Zatímco jsme se probojovávali k Vladivostoku, pohltěli nás události. Zprávy o zvěrstvech se k nám dostávaly na každém nádraží. Občas to bylo dílo komunistů, občas nacionalistů, jindy vinu házeli na nás. Byla to hrozná lež, kterou běžně šířila propaganda. Bílí mezi tím ztratili iniciativu, ale jejich nenávist vůči rudým to nijak neoslabilo.
To násilí pramenící z protichůdných ideologií nás děsilo. Obě strany věřily, že zachraňují Rusko. My jsme ale neviděli nic jiného než zemi, která se sama trhá na kusy. Popravdě nám ta politika lezla krkem, ten pocit, že si musíme zvolit stranu. A přesto to bylo nevyhnutelné. Hovory mezi prozatímní vládou a Bílou armádou pokulhávaly. Dokonce mi psal vlastní bratr, který mě varoval před rozšířenou podporou dalších kompromisů. Samozřejmě jsme neměli ani tušení, jak velký dopad to bude mít. Bah oui, hein, c'est clair que avec l'ogre russe à côté, tu es obligé de chercher un compromis autre que marcher-nous dessus. Du coup, on avait débloqué. Est-ce que je peux avoir le... Non, je peux pas avoir le menu dans cette dans cet écran. On avait débloqué dans l'encyclopédie le mouvement blanc. Donc, on a retrouvé le chemin qu'on avait où on avait fait un croisement là, et on va pouvoir progresser. Ah, on a fait. Ouais, un gros tiers quoi. Un gros tiers du chemin. Et bah c'est parti, on continue. Rozkazy, majore. Rudí u Vladivostoku zastavili další naše vlaky. A navíc jsme dostali hlášení o menších šarvátkách s bílými. Zdá se, že nám docházejí přátelé. Prozatímní vláda trvá na tom, abychom tuto krizi zmírnili. Jejich plán zahrnuje obnovenou snahu o spolupráci s Bílou armádou. Máme jim pomoct zajistit říšské zlaté rezervy. Samotné zlato je momentálně v jednom vlaku a Rudí ho ostražitě hlídají. Máme tento vlak zabavit a získat jeho náklad, který bychom pak měli dovést do Novonikolajevska. Naši vůdci jsou přesvědčení, že zlato může posloužit jako zástava a přiměje bílé, aby nám umožnili bezpečnou cestu nebo nám i pomohli. Naše spojka u bílých, kapitán Korolev, se s námi setká na další stanici v Tatarskoje. Předá nám nezbytné informace. Je crois qu'il se fait un peu d'illusion notre gouvernement. C'est même pas sûr que les Blancs ils aient la capacité de nous garantir un trajet sûr, même s'ils voulaient, quoi. La situation devient de plus en plus chaotique, et une monnaie solide sera nécessaire pour acheter votre billet de retour. Aucune monnaie n'est plus solide que l'or, il y en a tout un train devant nous. Hélas, comme le train est en mouvement, la fenêtre de temps pour l'attraper est très courte, et les Rouges ne vont pas vous le céder si facilement. Alors du coup... Limite de temps. Cette quête doit être terminée en temps limité. Si vous mettez trop de temps, la mission échoue. Et c'est une menace, c'est une zone de conflit et des cibles importantes signifient que la réponse des ennemis est plus rapide et agressive. D'accord. Alors, on a une gare à Omsk. Avec un dépôt. Mais on n'a rien à acheter. Et de toute façon, on n'a pas les moyens. Le marchand, il nous voit un peu de carburant, un peu de munitions. Mais on est plutôt bien. Et mon carburant, on est remonté à au-dessus de 1000. On a toujours notre wagon d'infanterie supplémentaire en cas de besoin. Il nous servira peut-être jamais à rien, mais au moins on est sûr. On avait des gens à mettre à l'infirmerie par contre, du coup. Toc, toi et toi, hop. Allez vous faire soigner. Donc, il faut qu'on se rende ici rapidement. On a 96 heures. Alors, on a 96 heures pour arriver là, j'imagine, et faire la quête complète, parce que juste arriver là en 96 heures, ça paraît quand même assez large. Est-ce qu'on fait l'impasse sur ce truc-là? On peut se permettre de s'arrêter 2 heures là, je pense. Hein. Se faire une escouade de type fouille. Il y a un lac là, la nourriture ça va, mine de rien, on s'en tire quand même. On va relancer ici une viande rôtie, non, un goulash. Eux, ils continuent de travailler sur la soupe et petit à petit, mine de rien, ils arrivent à maintenir les ressources de nourriture. Ça, pas intéressant, ça nous intéresse pas. Ça éventuellement, on a récupéré un petit peu d'argent. Il y a deux lacs là, une exploitation forestière. On voit que ça commence à sembler un peu plus frais comme coin. Pour l'instant on est toujours sur une température normale, mais il y a un moment où ça va certainement partir en sucette. Donc on va se faire une petite escouade pour aller fouiller les ruines.
Donc il nous faut un cambrioleur. Un petit survivaliste, ce serait pas mal. Toi tu travailles. Un cambrioleur on a déjà. Normalement on a une autre fédulogie que Magdalena, si je me souviens bien. Il y a toi, ouais. Qui d'autre? Cambriolage. Zut. Il doit bosser ailleurs. Aperçu des traits. Sinon on envoie Magdalena, tant pis. Hein. Ah, c'est Emmanuel. Emmanuel, tu fais quoi dans ta vie? T'es libre? Bah alors, pourquoi je t'ai pas vu? Pourquoi je t'ai pas vu, Emmanuel? Ah, t'es là. Ah, oui, c'était caché. J'ai vu l'herboriste, mais pas la fédulogie. Parfait. Bah, comme ça, on y va plutôt pas mal. À 3. À 3, on a quoi? On va mettre un petit fusilier quand même au cas où. Allez, Stefana, c'est parti. On démarre. On s'arrête là. On fait cette quête. Et ensuite, on va voir un peu ce que nous veulent les blancs. Et en fait, on a des niveaux, c'est vrai. Donc toi, t'as gagné un niveau de grenadier, parfait. Toi, t'as gagné un niveau de fusilier, parfait. Et toi, t'as gagné un niveau... Oh, t'es passé niveau 4 en éclaireur. Excellent. Alors, j'espère qu'avec notre locomotive taureau, on va pouvoir les rattraper, qu'on va pas être obligé de cramer du carburant à fond. Ah, ça, c'est notre train. Ok, distance restante, d'accord, très bien. Un nouveau niveau de médecin ici. Parfait. Et du Joseph, pas sergent-major. Excellent, Joseph. Tu es ouvrier. On va monter un peu ta dextérité quand même. On est arrivé. On envoie notre escouade ici. Go. Ça va leur prendre 30 minutes, 1 heure, ça va leur prendre 2 heures. Est-ce qu'on peut faire une petite amélioration avec les ressources qu'on a récupérées? Parce que je sens qu'on va pas avoir beaucoup d'occasions de s'arrêter là. Donc ici on était bien, ici on avait lieu de travail, four à pain. On aura un emplacement supplémentaire, c'est pas utile. Ici on était pas mal, ici on était pas mal. Lieu de travail amélioré, instrument de chirurgie pour avoir un emplacement supplémentaire. Et ici, on avait juste fait l'espace confortable. Donc du coup, là, de l'autre priorité, c'est ça. Voilà. Là, le wagon atelier, il n'y a pas d'isolation. Le wagon cuisine non plus. Et toi, on s'en fout. Donc le wagon atelier. 200 de tissu. On claque le tissu, c'est parti. Hop, on met du monde. En avant. Une heure de fouille, c'est parti. Un niveau d'ouvrier, excellent. L'amélioration du wagon est terminée. On va du coup les enlever. Pas vrai qu'il y ait des accidents, des événements d'accident alors qu'en fait ils travaillent pas. 9 soldats fatigués, ça va, c'est correct. Ils vont se reposer assez vite. Ah la vache, tu viens juste de partir toi? Alors que l'autre qui était hyper blessé, il est parti avant toi. Ok, bah, pourquoi pas. Collecte au point d'intérêt. Alors, voici ce qu'on a trouvé. De la literie. Excellent. On a trouvé une armoire à pharmacie. Le petit sanglier des familles. Voilà. 141 de tissu, une trousse de secours, un stimulant et de la bouffe. C'est carrément rentable. Désolé Camille, mais c'est quand même carrément rentable. Putain, la vache, on est déjà monté à un niveau de menace assez critique là. Allez hop, aux soins. Le wagon atelier, ils font plus rien. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est ça la question. En termes de munitions, on n'a plus de poudre. Les recherches. On peut faire la recherche des trousses médicales pour 200 de tissu, c'est vraiment pas le coup. On peut faire ça par contre. Temps de rechargement des mitrailleuses de 20%. On a pas mal de métal. On a eu quoi là? Chance de toucher des fusils. Ah, pas mal. 75 de métal, ouais. On va faire le rechargement des mitrailleuses. Et on va démarrer. Mais on fera le démarrage lors du prochain épisode. On va s'arrêter là pour celui-là. J'espère qu'il vous a plu.
Merci à toutes et à tous d'avoir regardé, merci de suivre la série jusqu'ici, je suis super content que ça vous plaise toujours. J'espère que ce chapitre 5 va continuer sur de bonnes bases, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde!